Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on est au motoclub dinois, donc on est du côté de Digne-les-Bains, sur un circuit qui a été complètement un peu modifié, rénové il y a peut-être un an ou deux. J'avais fait un petit roulage rapidement dans l'hiver et là on vient ici pour une ouverture en libre. Je pense que ça va être une bonne journée, il fait bon, il y a un peu de vent, ce qui fait qu'il fait un peu froid, mais je pense qu'on va quand même bien se régaler, ça va être très sympa. Au programme, on a donc des sessions de 20 minutes, ce qui est assez court, on n'aura pas de quoi vraiment faire de manches, donc on va faire beaucoup d'intensité, du chrono et de la rapidité, ce qui me manquait un peu en ce début de saison. Je suis désolé, bon, j'ai pas pu, il n'y a pas eu de vidéo tout simplement, les courses de ligue ont été annulées, j'ai eu des courses de France, mais en France, vous le savez, j'ai pas le droit à la GoPro, donc je peux pas vous faire de vidéo. Mais là, voilà, je vous fais du coup une vidéo en patientant l'ouverture de la Ligue de Provence qui devrait normalement avoir lieu si la météo sera bonne. Mais là, on arrive dans des périodes un peu plus clémentes. Donc ce sera l'ouverture avant Tabrin dans 2 semaines. Donc voilà, comme je le disais, manque un peu de vitesse en ce début de saison. Donc on va faire beaucoup de chronos d'intensité pour essayer de bien se mettre dans le bain pour la suite du championnat de France qui aura lieu la semaine prochaine pour moi. Et voilà, donc là, nous, on s'habille, on attend que ce soit autour de notre session. Et puis on est parti, je vous embarque avec moi sur cette toute nouvelle piste. J'en profite avant de partir, un gros merci à tous les sponsors, au motoclub de Volksvilleneuve auquel qui se donne à fond pour se battre, pour qu'ils puissent réhomologuer, faire la course, des libres et tout, qui se donne à fond pour ses pilotes. Gros merci à Florine Moto qui nous fournissent toutes les motos, qui nous aident tout ce qui est mécanique, qui sont vraiment au top. Peter Germain, 440 de suspension, au top aussi, une moto toujours stable, toujours on est toujours confiant sur cette moto, donc c'est vraiment le super. GVP Access, donc Guillaume, merci à lui pour toutes les tenues de course, vraiment sublime, c'est vraiment le top. On a Quentin Thomas de TMX Evolution, donc au motoclub de Volksvilleneuve. C'est avec lui qu'on s'entraîne, on fait de super entraînements, il se donne à fond pour nous, donc c'est super agréable. Et Anthony Savary de SVR Design qui nous a fait ce kit déco, qui nous a fait les flocages et qui va nous faire des flocages de casque aussi. Pour les casques, on a pris des nouveaux Choi. Donc merci à Choi aussi parce que c'est vraiment des super casques et on a pris des Choi d'une seule couleur, noir et blanc, et sur ça on va faire des belles décos. Donc je vous montrerai ça dès que ce sera tout fini. Thank you.
ben voilà, fin de vidéo, fin de roulage. C'était une bonne journée d'entraînement. Il a fait un temps plutôt bon, le vent était un peu frais, mais quand on roule, ça ne nous dérange pas, c'est le principal. Piste compliquée au début, c'était vraiment dur, glissant. Après, ça s'est bien formé. Ça commence à être pas trop mal. Entre midi et deux, ils ont coupé, ils ont arrosé. Donc, ça a reglissé un peu la première session, mais ça commençait à vraiment être bien la deuxième. En fait, la piste, au plus elle se défonçait, au mieux elle était, parce que ça creusait un peu. Les trous, dès le début, il y avait des trous cassants. Limite, ces trous se sont rebouchés, ont évolué dans le bon sens. Donc, ça. Donc ça c'était cool, la piste était de mieux en mieux, c'était bien. Le problème d'ici c'est qu'il faut pas trop sortir de la trace parce qu'on est vite dans les cailloux. Mais quand on roule toujours dans la même trace, ça nettoie bien, donc c'était assez agréable à rouler. Voilà, du bon roulage, des bons chronos, du bon rythme, donc ça c'est super. Maintenant voilà, je vous ai fait cette petite vidéo pour faire passer le temps entre guillemets avant la prochaine course. Et moi je vous retrouve d'ici environ quoi 2-3 semaines pour l'ouverture pour nous de la Ligue de Provence à Ventabrun, parce que les deux premières ont été annulées. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour cette vidéo. Allez, ciao!